Le Big Reset économique et le nouvel ordre mondial, c'est maintenant. Le coronavirus ne serait qu'une diversion pour annoncer la fin de l'euro et la fin du dollar pour établir une monnaie mondiale, un seul peuple, une seule monnaie, un seul État et un seul président pour le monde entier, et une seule loi. L'Italie pourrait demander l'annulation de tous les crédits bancaires des particuliers, puis déclarer une loi martiale qui interdirait aux Italiens d'aller travailler, ils resteront chez eux mais recevront un salaire du gouvernement qui avec cet argent Monopoly va donc tuer l'euro, l'euro n'aura bientôt plus aucune valeur, déjà le gouvernement italien a arrêté la TVA et les taxes et les impôts ce qui veut dire que cet argent bientôt n'aura plus aucune valeur ce sera comme le rouble en Russie. Lors de cet effondrement économique comme en Russie, les gens vont recevoir des tickets de rationnement pour ne pas mourir de faim. Ils seront obligés de se lever à 5 heures du matin pour faire la queue sinon rien à manger pour toute la journée. Le dollar et l'euro vont être dévalués au point qu'il faudra une brouette pour acheter une baguette de pain. Vous pourriez penser que dans un premier temps ceux qui auront acheté une maison ou une voiture à crédit auront fait une bonne affaire car l'État va payer toutes les dettes mais tout cet argent va dévaluer très fortement les monnaies et donc provoquer une famine. Leur but est de créer une monnaie mondiale et le nouvel ordre mondial, un seul peuple, un seul président et un seul État. Mais le droit de propriété et l'héritage seront interdits sauf pour les Rothschilds. Vous aurez de la nourriture gratuite, des chaussures gratuites, une voiture gratuite mais en échange vous aurez perdu toute liberté, vous serez comme un oiseau dans une cage dorée. En réalité rien n'est gratuit tout se paie en souffrances et en épreuves. L'Italie est en quarantaine, l'État de New York est en quarantaine cela pourrait donc cacher le Big Reset économique annoncé par Christine Lagarde présidente du FMI appartenant aux Rothschilds. Des gardes ont été déployés, l'armée et la police ont été déployées, la loi martiale a été instaurée. C'est-à-dire si un citoyen n'obéit pas aux ordres d'un représentant de l'État, il pourra être déporté dans un camp ou abattu sur place. Le coronavirus semble avoir des symptômes semblables au paludisme ou à la malaria, donc c'est une arme militaire, un truc mutant mélange entre le sida, le SRAS et le paludisme et H5N1 et la grippe aviaire etc. etc. Bref, il faut de la vitamine C, des oranges, du citron ou de la Nivalkine pour éviter d'avoir la tête qui tourne.